Une innovation a bouleversé la façon de développer et de créer en informatique ces dernières décennies. C'est le logiciel libre. C'est plus qu'une simple catégorie logicielle. C'est toute une vision philosophique qui est gravée à elle, et c'est cette vision qui a bouleversé le développement de logiciels informatiques et l'économie numérique depuis 40 ans. Un logiciel libre est un logiciel, donc une application, un programme ou un exécutable, qui garantit 4 principes de liberté à ses utilisateurs. C'est une façon de penser, une façon de coder, une philosophie de développement qui est une révolution dans la manière de produire, car elle est différente de tout ce qui a existé précédemment. Les 4 grandes libertés du logiciel libre sont la liberté pour l'utilisateur de faire fonctionner le programme comme il l'entend, pour en faire n'importe quel usage, la liberté pour l'utilisateur d'étudier et d'analyser le fonctionnement de ce programme, et de pouvoir le modifier à sa guise, ce qui implique donc un accès au code source de ce dernier, la liberté pour l'utilisateur de redistribuer une copie du logiciel, et la liberté pour l'utilisateur de modifier et de distribuer sa version du logiciel modifié, ce qui lui permet donc de participer au développement du logiciel. En résumé, les logiciels libres sont des logiciels qui octroient à ses utilisateurs la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, de modifier et d'améliorer le logiciel. Cela implique une autre façon de développer ces logiciels, car ce n'est plus une entreprise, privée en général, qui code avec ses propres développeurs le logiciel et en engrange tous les bénéfices, mais une communauté de développeurs, bénévoles, qui développe et améliore le logiciel au profit de l'ensemble de la population. Pour comprendre comment on est arrivé à cette démarche du logiciel libre et au bouleversement économique et de société qui l'a entraîné, il faut comprendre son histoire, qui est indissociable au projet GNU et à son créateur Richard Stallman. Jusqu'aux années 70, il y avait peu de règles qui régissaient la création et la distribution des logiciels informatiques, car seules les grandes compagnies pouvaient s'acheter des ordinateurs. Du coup, les logiciels étaient plus ou moins libres. C'était le matériel informatique qui constituait la source de revenus, pas le logiciel. Mais dans les années 70, de grandes entreprises informatiques se développent et mettent des restrictions sur leurs logiciels et systèmes d'exploitation, comme Apple, IBM ou encore Microsoft. Au début des années 80, au laboratoire d'intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology, une nouvelle imprimante Xerox a un problème, un bourrage de papier. Richard Stallman, un hacker au service de ce laboratoire, tente de récupérer le code source de l'imprimante afin de le modifier et réparer les erreurs de conception. Mais le code de l'imprimante est la propriété de Xerox, et cette dernière en refuse l'accès. Stallman, qui depuis 1975 s'est imprégné de l'éthique des hackers, partage des connaissances, perfectionnisme et refus de l'autorité, en retire une grande haine envers les logiciels propriétaires. Il comprend que cette éthique du hacker est en train de disparaître et veut agir. Alors en 1985, il décide de lancer une fondation, la Free Software Foundation. Il sait qu'il est impossible d'utiliser un ordinateur sans système d'exploitation, et que sans système d'exploitation libre, il faut forcément utiliser des logiciels propriétaires. Il démarre alors le premier projet de sa fondation, le projet GNU. Le but est de créer un système d'exploitation complet et totalement libre. Ce système existe aujourd'hui, il s'appelle GNU Linux. Mais pour que ce système existe, il lui faut une base légale. Il crée alors une licence, la licence GNU GPL, pour General Public License, qui garantit les libertés de l'utilisateur. Selon les mots de Stallman, « J'estime que la règle d'or est que si j'aime un programme, je dois le partager avec d'autres qui aiment ce programme. Les éditeurs de logiciels cherchent à diviser et à conquérir les utilisateurs en interdisant à chacun de partager avec les autres. Je refuse de rompre la solidarité avec les autres utilisateurs de cette manière. » Cette histoire est considérée comme le point de départ de l'informatique libre, car la Free Software Foundation va bouleverser les licences numériques et fera de Stallman l'un des ambassadeurs les plus emblématiques du logiciel libre. Revenons sur certains points importants concernant le logiciel libre. Il ne faut pas confondre logiciel libre, logiciel open source et gratuitiel. Un logiciel open source est un logiciel dont le code source est en accès libre. Le code source d'un programme est le texte qui détaille les instructions de ce programme, c'est-à-dire les différentes instructions que la machine exécute pour faire fonctionner ce programme. C'est ce texte qu'un développeur écrit ou modifie lorsqu'il développe un programme. Un logiciel libre est donc un logiciel open source, mais un logiciel open source n'est pas forcément un logiciel libre, car il faut qu'il intègre les 4 grandes libertés du libre. Même si dans la pratique, un logiciel open source est en général libre, car il n'y a pas beaucoup d'intérêt à privatiser un logiciel dont le code source est distribuable et accessible à tous. L'opposé d'un logiciel libre est un logiciel propriétaire, ou logiciel privatif. Google, Facebook, Twitter en sont des exemples. Ce sont des logiciels qui sont la propriété d'une entreprise, et que les utilisateurs ne peuvent donc pas modifier à leur convenance. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les logiciels libres, comme le fait qu'un logiciel libre est gratuit. Un logiciel libre peut être payant, mais comme dit précédemment, il sera difficile d'en obtenir un prix élevé, vu que le premier acheteur a la liberté de le donner au second acheteur. Et un logiciel gratuit non libre est un gratuitiel. Mais attention, logiciel libre ne signifie pas qu'il n'y a pas de brevet ou de licence attachée à celui-ci. La Free Software Foundation présente les principales licences libres. Parmi elles, on trouve GPL, Global Public License, la licence de logiciel libre la plus utilisée, ou encore BSD, une des licences les moins restrictives dans le monde informatique, qui est très proche du domaine public. Ici, les deux premières licences sont de type avec copyleft.
Le copyleft, ou gauche d'auteur en français, un jeu de mots avec le terme copyright, droit d'auteur en français, est un cadre permettant de faire d'un programme un logiciel libre, et d'exiger que les versions modifiées ou étendues deviennent elles aussi des logiciels libres. Cette notion est fondamentale dans le monde du libre, le copyleft est une garantie de la pérennité de la liberté des utilisateurs, elle est dans l'esprit primordial du monde du libre. Le logiciel libre a beaucoup de conséquences vertueuses sur les technologies numériques. Ces logiciels ont une meilleure sécurité, car tout expert utilisant le logiciel peut faire remonter les failles car ils ont accès au code source et donc les corrections sont plus rapides. Les outils entourant ces logiciels sont aussi plus nombreux et plus poussés car des milliers de développeurs à travers le monde peuvent collaborer dessus et non pas une simple équipe d'ingénieurs d'une entreprise. Enfin, les coûts de recherche et développement sont réduits drastiquement puisque les contributeurs font ça gratuitement. Les entreprises n'hésitent plus d'ailleurs aujourd'hui à mettre certains de leurs logiciels propriétaires en mode libre pour profiter d'une recherche et développement gratuite. Il y a une myriade de produits et de logiciels libres sur internet qui peuvent fournir le même service qu'un logiciel propriétaire payant mais sans avoir à payer. Les jeux notamment n'ont plus envie de payer pour un produit puis de l'utiliser. Les entreprises ont donc trouvé des façons de générer de l'argent avec le logiciel libre avec l'apparence de la gratuité, voyant ces différentes approches. Une façon simple pour une entreprise de générer des revenus à partir d'un logiciel gratuit, c'est de vendre du conseil et de l'assistance autour de ce logiciel. Un logiciel peut être compliqué à prendre en main, du coup, des entreprises peuvent proposer leur logiciel gratuitement, mais si le client a des problèmes pour l'installation et pour l'utiliser, l'entreprise peut vendre ce service et générer de l'argent. Par exemple, Linagora, une entreprise spécialisée dans l'open source, a gagné un contrat pour installer Ubuntu, un système d'exploitation libre et très sécurisé, sur toutes les machines des députés français, et donc a gagné de l'argent pour ce service, alors que le logiciel de base, lui, est libre et gratuit. Une entreprise peut également proposer du support technique et par conséquent vendre ce service. Une façon très lucrative que les entreprises utilisent aussi et qui s'approche de cette méthode pour générer de l'argent est de proposer des formations sur leur logiciel. Le logiciel reste libre et gratuit, mais vu que c'est l'entreprise qui l'a créé, c'est elle qui connaît le mieux son fonctionnement et elle peut donc vendre au prix fort des formations aux particuliers ou aux entreprises voulant utiliser ce logiciel. Mais la façon principale pour générer de l'argent avec un logiciel libre, et la manière la plus simple, est de vendre un service qui utilise un logiciel libre. C'est logique que si on demande à un développeur de travailler 3 jours sur un projet, il faut le payer, qu'il travaille avec un logiciel libre ou pas. Imaginons qu'une entreprise veuille développer un logiciel pour un projet spécifique. S'il le développe avec des outils libres, le coût du capital sera pratiquement nul, car il n'a pas à payer pour les outils. Mais le coût du travail sera élevé, car les développeurs travaillant dessus devront être payés. Au final, on voit que le monde du libre et ses 4 grandes libertés ont profondément modifié la façon d'utiliser les différents outils numériques. On voit que de la vision d'un homme, d'un besoin que beaucoup peuvent avoir, de vouloir que le numérique reste un monde libre et non monopolisé par quelques très grandes entreprises, on peut assister à un bouleversement radical de la façon de consommer et de produire. Nous verrons probablement dans le futur, avec la rapidité avec laquelle le numérique se développe, de nouvelles disruptions telles que le logiciel libre.